السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها التلاميذ الأعزاء، تلميذ المستوى الأولى بكالوريا، معكم يوسف دلال من خلال هذه القناة هذه جوكوبنيك تي في لتعلم اللغات وكذلك لاكتساب المعارف. De la boîte à merveilles d'Ahmad Sfraoui, chapitre 8, on va voir un test. سوف نقوم بواحد الاختبار ديال المراجعة ديال لا بواط ا ميرفاي دحمد الصفراوي شابيتر 8. تقريبا عندنا 27 سؤال في مدة زمنية 18 مينوت، تقريبا 18 دقيقة. إذن هناك 27 سؤال سوف نقوم بالإجابة عنه، وميم طون نكتشفوا هذا شابيتر 8 من لا بواط ا ميرفاي دحمد الصفراوي التي صدرت سنة 1954 ديال الكاتب المغربي الشهير أحمد الصفراوي. الوغ تابعوا معايا دابا، نبداو على بركة الله هاد الأسئلة. سور كيل سيزون سوفغ لو شابيتر، تعرفوا بأنك هناك ثلاث فصول، كاين ليفير لو برانتون ليتي، إذا سي لو ديبي دو ليتي، بداية الصيف. إذا شابيتر 8 معنى بداية الصيف. Quel désagrément la chaleur faisait-elle apparaître? Désagrément. Haja idan les fissures dans les murs, les punaises et les mouches. C'est pas les hacharat. Tarafou b'elna fassat saif. Tikoun hounak wah nou idan les hacharat, les mouches, doubab ou l'akhir. Idan t'es qu'on décida Zubida de faire ce. Alors que décida Zubida de faire contre les déplaisantes bestioles? Déplaisantes bestioles, mais avec le hacharat tar. Une guerre totale les apprivoisait, les effrayait, les domestiquait. Il est en train de dire que je n'ai pas le karar, les chadets ou Zubida, les muharabet, les hacharat, bien sûr, une guerre totale, harb tem. Avec l'arrivée de la chaleur, où le mzid est-il déménagé? Il ne m'a pas encore chômé, le mzid, il est mekan acha. Dans un petit sanctuaire, là dans la mosquée du quartier, là dans une petite maison, là dans la nouvelle école publique. Et dans un petit sanctuaire. Avec l'arrivée de la chaleur, le mzid est-il déménagé? Dans un petit sanctuaire, dans la mosquée du quartier, dans une petite maison, dans la nouvelle école publique. Et dans le mzid, il y a un mzid qui est un mzid qui est un mzid. Et le mzid n'est pas un mzid qui est un mzid. Et donc, bien sûr, il y a un mzid qui est un mzid qui est un mzid. Et dans un petit sanctuaire, je venais le souhait. Alors, quel effet eut le mausolée qui servait d'école sur Sidi Mohamed? Et donc, fais un taclo avec le mausolée. On va dire d'arrêt. Finchmat, vidéo, quel effet eut le mausolée qui servait d'école sur Sidi Mohamed? Et donc, je vais attirer le bouche, attirer Ijabi ou attirer Rer Ijabi, Sidi Mohamed. Il a un effet bénéfique sur sa santé physique et morale, un effet magique sur ses rêves, un effet mystérieux sur ses sentiments vis-à-vis du maître, un effet nuisible sur sa santé physique et morale. Et un effet nuisible ou un effet bénéfique. Et entendant bien un effet bénéfique ou l'Ijab. C'est l'Ijab. Quel sentiment éprouva Sidi Mohamed pour l'école? Quel sentiment éprouva Sidi Mohamed pour l'école? Il commence à aimer l'école, il commence à détester l'école. Ou là, il commence à admirer ses camarades de classe, ou là, il n'arrive pas à supporter le maître. Donc, je n'ai pas l'ihsas diyalo, de la Sidi Mohamed, le narrateur, tu j'ai avec le madrasa, avec le maquel, le terrasse de la Coran. Bien sûr, il commence à aimer l'école. Il commence à aimer l'école. Et donc, quel avenir prédisait le frère pour Sidi Mohamed? Et le frère, نبأ ليه بواحد المستقبل رائع. شو واش ان غران سافون، عالم كبير، ان غران ميديسان، ان غران ارتيزان، ان غران كوميرس. انا تنظن بان ان غران سافون عالم كبير. اذا هو هذاك الفقيه تنبأ بان يكون هذاك سيدي محمد واحد العالم كبير في القران الكريم. اذا نشوفوا الويتيام كيستيون، قال لك كيل ايماج ايفوكي لو مو سافون شي نوراتور. ولكن هذه الكلمه ديال العالم بالنسبه لي هذاك سيد محمد هو ما كانش عارف
Tieni un homme obèse, barbu, inélégant, ou un homme intelligent, énigmatique, un homme intelligent et soigné, un homme maigre et mystérieux. Fnadar comme choum. Avec l'aile, il me dit de Mohammed. Chno, ou un homme obèse, barbu, inélégant, ou là, chno. Chno, rajoul d'elle. Chne soura. Il dit avec l'aile, il me dit de l'aile. En attendant, ben, ou ma cache, barré, qu'on aile. Et bien, bien sûr, il dit qu'on a un petit peu satirique. Un homme obèse, barbu, inélégant. J'ai ça. C'est un homme obèse, mais non. Barbu, voilà, inélégant. Qu'est-ce qui justifie l'ardeur de Sidi Mohamed dans son travail à l'école? Grogner l'estime de son maître, devenir un grand savant, éviter la baguette. De connaître ses deux frères. Et d'entendre éviter la baguette de connaître ses deux frères. Il est. Bon, il te fait de voir que tu as rabattu le frère. Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ses heures de rêve? Il est fait que nous avons dit que le type d'homme le qu'un t'y aime. Je n'ai pas sorcier le féride le qu'un t'y aime. Moi, je suis un homme raffiné. Moi, je suis un homme raffiné, robuste, astucieux et distingué, ou un homme modeste, ou un homme simple, ou un homme raffiné. On a pu le savoir, on a fait le job aussi. Il y a un homme simple, robuste et vif et tendre. Donc, on va reconnaître que c'est simple, mais c'est raffiné. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux? Il y a un souk des bijoux, le souk des mujawarats, ou le gharad, avec l'eb. Abslem, شنو الغرض ديالو بانه ما يمشي للسوق ديال المجوهرات؟ علاش؟ واش اشتي دي زيكوي فوندغ دي بيجو، ولا اشتي اون خميسه، ولا اوفخيغ دي براسلي، اوفخيغ دي براسلي اصاب افهم. اذا من خلال الروايه ديال لا بوتا ميرفي تعرفنا بان في شابيت خويت هذاك سيدي هذاك عبد السلام بغا يشري شي مجوهرات للزوجه ديالو لزبيده. اذا دوز À quoi l'enfant compara-t-il les bijoux? Il dit, il est un peu plus Mohamed, les bijoux, aux habits de la Shura, aux objets de sa boîte à merveilles, aux fleurs, aux fruits. Dans le chapitre 8, ça nous dit que les bijoux sont mal azhar, aux fleurs. Les jobs, ça fait. Quelles étaient les figures de. Quelles étaient les fleurs que connaissait Sidi Mohamed? Il dit, Sidi Mohamed, il est un peu plus في نظركم شنو حيت كاين عده انواع ديال الازهار، ولكن انا تنفضل السي من خلال قراءتي الروايه تنفضل بان لي كريستاتيم لي جيارد لي اورستونسيا لي ليزون لي جيرانيوم لي زوي اي لي روز، هادو كلهم انواع ديال واسماء ديال الورود. الجواب صحيح هو السي. 14. Comment le narrateur considère-t-il le rire de ses parents à propos de sa comparaison? Il ne fait que qu'un c'est Mohammed, qu'un mais bien le mujawarat ou qu'elle a un petit peu le world. Bien sûr, il y a un autre. Bien sûr, avec les parents, c'est un hobby. Il y a un autre qui se dit une politesse, amabilité ou la générosité ou la indélicatesse. Comme une indélicatesse. Je veux dire. Dans 14, quelles étaient les deux catégories de bijoux classées par Sidi Mohamed? Les faux bijoux et les vrais bijoux, les bijoux en or et les bijoux en pierre précieuse, les bijoux des hommes et les bijoux des femmes, les bijoux de tous les jours et les bijoux de fête. Et donc, quelles étaient les deux catégories? Je nomme donc le VS des bijoux classés par Sidi Mohamed. Et donc, dans le D, les bijoux de tous les jours et les bijoux en fête. 15, 16. De provenait la douloureuse mélancolie du narrateur? La douloureuse mélancolie, mais elle est l'élème, chérie, le cantiani. Ou un nefsani, de son impossibilité de faire part aux autres de ses découvertes, de son impossibilité de faire dans la réalité, de son impossibilité de tester au visible et l'invisible, de son impossibilité de réaliser ses rêves. Et donc, elle تنظن بان الجواب صحيح هو اق علاش دو سون امبوسيبيليتي حيت هو تعيش في العالم الخيال اذا هو عنده واحد الصعوبه باش يوصل هذاك الميول ديالو الاصدقاء ديالو دو سون امبوسيبل دو فير بار او زوتر دو سي ديكوفيرت تابعوا معايا 17 كيسكو لو ناراتور ناريفيتي با ا باردوني اوز ادولت
لان هو ما قدرش يسمح هذاك البالغين بينهم الوالدين ديالو de l'envoyer de faire les courses, de le gronder, de ne pas essayer de le comprendre. De ne pas essayer de le comprendre. 18. À quoi le narrateur compare-t-il le sort des bijoux? Il est qu'il fait que les sorts de bijoux, au sort des animaux, au fer mulière, au mcide le jour de la Shura et une foire. À quoi le narrateur compare-t-il le sort des bijoux? En attendant, il y a une formulière. Une formulière. الشكل ديال البيت ديال النمل. Alors qui accompagna pardon qui accompagnait la famille du narrateur au sort des bijoutiers. اذا شكون اللي كان معاهم غير معلم ابسلام وزويده. اذا واحد من الجارات يعرف الشغل ديال لي بيجوتي عارف المجوهرات مزيان حافظه لي المجوهرات مزيان وزينب رحمه الله زويده وفاطمه زويده تنظلمي انا فاطمه زويده هي اللي عارفه السر ديال لي بيجوتي لي بيجو. Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Il est un fashqarn hadak sidi Mohammed le narrateur fashqarn hadak mujawharat qarnhom b mujawharat qarnhom bil wurud. Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Flandar. Il est علاش ما كاينش هذاك الشيء اللي كان تيتمنى يشوفهم في ديك لي بيجو تيتمنى يشوفهم في السوق ماشي هما. Pourquoi les bijoux? لماذا المجوهرات ما تتشبهش الورود بالنسبه لسيدي محمد. C'était des bijoux de tous les jours, ils n'étaient pas en or, ils avaient été fabriqués sans amour. Ils avaient été fabriqués sans amour. بالنسبه ل 18, qu'est-il passé dans les souks des bijoux? شنو اللي طرا بالضبط في هذاك السوق ديال البيجو؟ ديك السوق ديال المجوهرات. واش ان كوريي ا كونتراري زوبيدا ولا اون ديسبيت entre Abslem et le courtier, ou là, un courtier a volé la bourse d'Abslem, ou là, une dispute entre Zubida et une vendeuse. Vous entendez, il y a une dispute entre Abslem et le courtier. Il y a une dispute entre Abslem. Comment le père du narrateur expliqua l'incident du souk? Il y a le père du narrateur. Qui peut se rappeler avec le hadith? Non. Il y a une dispute entre il a corrigé le courtier qui voulait lui jouer un tour. Il y a une dispute avec le que pense Zobide des bijoux achetés par son mari? Les bijoux auraient un bon effet sur le voisinage, sur le voisin, et les bijoux seraient une précaution pour les mauvais jours, les bijoux porteraient malheur à la famille, les bijoux étaient de bon augure. Et les bijoux, bismillah Zobide, les bijoux porteraient malheur à la famille, de bon augure, les bijoux seraient une précaution pour les mauvais jours. Alors le bijou portait malheur à la famille. Le bijou c'est une marque de du mal, de mauvais augure. Que désira Zubida quand son mari fasse de nouveau au bracelet? Il me fait chier les bracelets. Je ne veux pas Zubida m'embête. Voici les échanger, les acheter, les cacher dans son atelier, les revendre, les confiner à un bijou pour polissage. Les revendre. Bras لالا زبيدة بغات الراجل ديال سكون معلم عبد السلام يبيع هذوك لي براسلين انهم سي تا موفي اوغيور معناها تيجلبوا سوء الحظ. الوغ 25 كيتي لاغيفي على لالا عيشة اذا شو وقع لالا عيشة بالضبط سما غي لابوندوني بوغ الي اكومبليغ لو بيرولاج سما لا ريبيدي بوغ فار بليزير ا سا مير سما غي لابوندوني بوغ ايبوزي ان سكوند فام اذا هذاك معلم عبد السلام تزوج بواحد المرأة ثانية. إذا ليلى عائشة تقلقات في هاد الحالة. 26 كيتي لا سكوند إيبوز دو مولاي العربي. في نظركم شكون هي هاديك ليبوز دو مولاي العربي؟ شنو هي الزوجة التانية ديال مولاي العربي؟ واش لا في دو سيدي محمد بن طاهر الكوافور ولا في دو الحاج ولا في دو عبد السلام الكوافور عبد الرحمن الكوافور ولا في دو إدريس العواد؟ إذا تنظن بأن لا في ديال عبد الرحمن الكوافور. تعرفنا عبد الرحمن في شابيتر 7 في هاديك لا سيغوني ولا في لا شورى. Le barbier. 27. Que prévoquèrent les récits de Moulaire des malheurs de Bida à l'Aïcha chez l'enfant alité? Sidi Mohamed, qui fait attar avec le message? Ou jette la fièvre et le vomissement? Ou l'envie de s'évader de sa boîte à merveille et des pleurs ou des cauchemars? Il y a la fièvre, le vomissement ou le jaw sahi. Il y a
Bravo. Votre score obtenu est 100%. Question complète 27. Il y a 27%. 27 sur 27. جميل أسئلة جميلة لنا لي غوز لي غوز لي غوز لي غوز oui, c'est ça. Alors, les soucis, le coquelicot, les mares, gourites, les liserons, les géraniums, les oreillers, les roses. Bonjour, ça. عندنا حققنا واحد سكور مهم هو تقريبا 2 مينوت فيرغول 2 مينوت 42 سكوند فاتك سكور اوبتوني اي 90% قال سؤال واحد اللي ما جاوبناش عليه مزيان 26 سيغ 27 vous avez complété l'exercice voilà affiché toutes les questions voilà sur quelle saison s'ouvre le chapitre c'est le début de l'été. Quel désagrément de la chaleur faisait-il apparaître qu'une les punaises et les mouches? Que décida Zubida de faire contre les déplaisantes bestioles? Une guerre totale. Avec l'arrivée de la chaleur, où le mcide est-il déménagé dans un petit sanctuaire? Quel effet eut le mausolée qui servait d'école sur Sidi Mohamed? Un effet bénéfique sur sa santé physique et morale? Quel sentiment éprouva Sidi Mohamed pour l'école? Il commence à aimer l'école. Quel avenir présidait le frère pour Sidi Mohamed, un grand savant? Quelle image évoquait le mot savant chez le narrateur, un homme obèse, barbu et inélégant? Qu'est-ce qui justifie l'ardeur de Sidi Mohamed dans son travail à l'école? On a évité les baguettes de connaître ses deux frères. Quel type d'homme souhaitait-il le narrateur dans ses heures de rêve? Un homme simple, robuste et tendre. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux, offrir des bracelets à sa femme? À quoi l'enfant compara-t-il les bijoux? Aux fleurs? Et... Quelles étaient les fleurs que connaissait Sidi Mohamed? C'est leur souci. Les coquelicots, les marguerites, les liserons, les géraniums et les oreillers et les roses. Comment le narrateur considéra-t-il le rire de ses parents à propos de sa compassion comme une indélicatesse? Quelles étaient les deux catégories de bijoux classées par Sidi Mohamed, les bijoux de tous les jours et les bijoux de fête? De provenait la douloureuse mélancolie du narrateur, venant de son impossibilité de faire part aux autres de ses découvertes? Qu'est-ce que le narrateur n'arrivait-il pas à pardonner aux adultes de ne pas essayer de le comprendre? À quoi le narrateur compara-t-il le sort des bijoux? À une fourmilière qui accompagnait la famille du narrateur au souk des bijoutiers. Fatma Bzouya, pourquoi les bijoux du souk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Ils avaient été fabriqués sans amour. Et que s'est-il passé dans le souk des bijoux? Une dispute entre Abslam et le courtier. Et comment le père du narrateur expliqua-t-il l'incident du souk? Il a corrigé le courtier qui voulait lui jouer un tour. Et que pense Zubida des bijoux achetés par son mari? Les bijoux portaient malheur à la famille. Que désirait, pardon, qui désirerait Zubida que son mari fasse de nouveaux bracelets, les revendre? Et qu'est-il arrivé à l'Elaïcha? Son mari l'abandonna pour épouser une seconde femme. Et qui était la seconde épouse de Moulay Larbi, la fille d'Abdrahman, le coiffeur? Et finalement, 27, que provoquèrent les récits des malheurs de Zubida et de l'Elaïcha chez l'enfant alité? La fièvre et les vomissements. Alors maintenant, on va voir ce test sur PDF. Maintenant, chapitre 8, à l'échelle PDF. مرحبا بجميع التلاميذ الاولى بكالوريا. عندنا اليوم اختبار ديال لا بوطه ميرفاي احمد صفروي في شابتر 8. عندنا تقريبا 27 سؤال خاصنا نجاوبو عليهم بشكل سليم. إذن بالنسبة للسؤال الأول راه شفناه عدة مرات. كومو لو ناراتور كونسيديراتيل لو غيغ دو سي بارون أبروبو دو سا كومباريزون؟ إذن هو فاش قارن مثلا الأزهار المجوهرات بالأزهار.
comme une indélicatesse. Qui est la seconde épouse de Mulay Arabi? Je connais de Mulay Arabi. La fille d'Abd al-Rahman, le coiffeur. Que désirerait Zubida que son mari fasse des nouveaux bracelets? Il met des souris. Zubida m'a donc les bracelets, les chrétiens de l'Abslam. Les revendre. Et Aoudibé en Munjadid. Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblent-ils pas aux fleurs? إذا هو فاش قارن هذاك سيدي محمد فاش قارن المجوهرات بالورود شنو الانطباع ديالو؟ واش فعلا هذوك لي بيجو اللي في سوق المجوهرات تيشبهوا فعلا الورود؟ نو زافي ايتي فابريكي سون زامور كيل تيب دوم سويتي اتخ لو ناراتور دون سيزور دو غاف. شنو النوعية ديال الرجل تيحلم بيه هذاك لو ناراتور؟ ان هوم سامبل روبوست فيف اي توند. دو الجواب صح. تقلو دابا الأجوبة ديال الآخرين. 14 اكوا لونفون كومبار تيل لي بيجو؟ بيان سور او فلور. كومون لو بير دو ناراتور اكسبليك تيل لانسيدون دي سوك؟ تلقى واحد الحادث في السوق ديال المجوهرات Elle a comparé le courtier, elle a corrigé le courtier qui voulait lui jouer un tour. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souris bijoutier? Sinon, nier, offrir des bracelets à sa femme. Que s'était-il passé dans le souk des bijoux? Une dispute entre Abdeslam et le courtier. Et qui accompagnait la famille du narrateur au souk des bijoutier? C'est Fatma Bzouya, Surahnesh. Et quelles étaient les deux catégories des bijoux classés par Sidi Mohamed? Qui juge fut aide de Moujawaras? Les bijoux de tous les jours et les jours et les bijoux de fête. Tarlo, les autres chapitres, les autres questions. À quoi le narrateur compare-t-il le sort des bijoutiers? À une fourmilière. Que décida Zubida de faire contre les déplaisantes bestioles? Une guerre totale. Et qu'est-ce que le narrateur n'arrive-t-il pas à pardonner aux adultes? Ça veut dire de ne pas essayer de le comprendre. Quelles étaient les fleurs qui considéraient Sidi Mohamed? Les soucis. Les soucis. Voilà, là, je vous les soucis, les coquelicots, les marguerites, les liserons et les géraniums, etc. Quelle image évoquait le mot savon chez le narrateur? Un homme obèse, barbu et inélégant. Que provoquèrent les récits des malheurs de Zubida et de Lella Aïcha chez l'enfant allaité, la fièvre et le vimisme? Sur quelle saison s'ouvre le chapitre? Chapitre 8. C'est le début de l'été. Quel sentiment éprouva Sidi Mohamed pour l'école? Il commence à aimer l'école. De provenait la douloureuse mélancolie du narrateur, de son impossibilité de faire part aux autres de ses découvertes? Et quel désagrément la chaleur faisait-elle apparaître? Les punaises et les mouches. Quel effet eut le mausolée qui servait de locaux sur Sidi Mohamed? Un effet bénéfique sur sa santé physique et morale. Il y a un grand savant. À quoi l'enfant compare-t-il les bijoux et les fleurs? Comment le père du narrateur expliqua l'incident de son gna? Il a corrigé le coursier qui voulait lui jouer un tour. Dans quelle intention le père du narrateur voulait-il aller au souk des bijoux, offrir des bracelets à sa femme? Et que s'était-il passé dans le souk des bijoux? Une dispute entre Abdeslam et le courtier. Et qui a accompagné la famille du narrateur au souk des bijoux? C'est Fatma Bzouya. Et quelles étaient les deux catégories de bijoux classées par Sidi Mohamed? Il y a les bijoux des hommes et les bijoux des femmes. Non, c'est non, avec une aide.
que les bijoux de tous les jours et les bijoux de fête. Qu'en pense Zobida des bijoux achetés par son mari? Les bijoux étaient de bon nom, n'est-ce pas de bon augure. Les bijoux seraient une portrait malheur à la famille. Alors que provoquèrent les récits du malheur de Zubida et de l'Aïcha chez l'enfant? Le fièvre et le vomissement. Sur quelle saison s'ouvre le chapitre de celui du l'été? Quel sentiment éprouve Sid Mohamed pour l'école? Il commence à aimer l'école. De provenait la douloureuse mélancolie du narrateur de son impossibilité de faire part aux autres de son découverte. Alors, sur quelle saison s'ouvre le chapitre? Quel sentiment provoque Mohamed pour l'école? Il commence à aimer l'école. De provenait la douloureuse mélancolie qui de son impossibilité. Quel désagrément ou la chaleur fut-il apparaître? La pelouse de mouche. Quel effet eut le mausolée qui servait d'école sur Sid Mohamed? Un effet bénéfique sur sa santé physique et morale. Et qu'est-ce qui justifie l'ardeur de Sid Mohamed dans son travail de l'école? Éviter la baguette de Kouniassi et du frère. Donc voilà. Le Ken, Hua. Hané de Bechfna. جميع الأسئلة متعلقة بلابوطة ميرفيد أحمد صفري وشابيت خويت تقريبا 27 كيستيون شفنا على شكل دي جو انتراكتيف وكذلك على شكل بي دي اف. إذن إن شاء الله في الفيديو القادم سوف نكشف على شابيت 9 دو لابوطة ميرفيد أحمد صفري باري en 1954. C'est une sorte d'un roman autobiographique. الله كان معكم يوسف دلم خلال الشاشة المتميزة لابوات مغفية والخدمة المتميزة كذلك بالنسبة للتلاميذ الأولى باكالوريا سكسي باك أه. إذا إلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله نطرق لشابيتر 9 دو لابوات مغفية شوفوا تقريبا شنو من الأسئلة اللي تقدر تعطاها في هذا الشابيتر 9 وندير واحد المراجعة فريدة من نوعها. إذا تهلاو في رأسكم وإلى اللقاء. كان معكم يوسف دلم خلال الشاشة ديالكم جو كومينيك تي في سي فو بلي فو بوفي زابوني إذا انخرطوا معنا باش تحصلوا على كل جديد. مرسي.